Bonjour et bienvenue dans la présentation de mon nouveau programme Mastermind qui s'intitule Booster votre vie et votre business. Et donc, effectivement, moi, je suis persuadé que les deux sont intimement liés et que quelque part, on ne peut pas être performant dans son business si on n'est pas non plus épanoui dans sa vie personnelle. Et donc, ce programme Mastermind, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse vous donner des résultats en seulement 6 semaines. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, tout d'abord, moins de stress et moins de frustration. Plus de clarté, plus de structure au niveau de votre entreprise et plus d'équilibre à la fois au niveau de l'entreprise et au niveau de votre vie privée pour obtenir de meilleurs résultats de nouveau à la fois au niveau privé et au niveau professionnel. Et voilà, moi, une des données qui me passionne ou une des questions qui me passionne, c'est vraiment de voir quelle est la différence, qui fait la différence entre les entrepreneurs et les leaders les plus performants et les autres. C'est vrai que derrière chaque exemple de réussite, il existe un ensemble clair de qualités de mindset, c'est-à-dire d'attitude, qui ont permis d'obtenir ces résultats. Donc, quand je dis mindset, attitude, c'est finalement comment on se sent, comment on pense et comment on passe à l'action. Et donc, la Success Mindset Map qui est au cœur de cet accompagnement Mastermind, c'est un programme de formation qui peut être suivi par tout entrepreneur ou leader qui souhaite comparer son mindset à celui de certains des chefs d'entreprise les plus performants du monde selon 20 critères stratégiques. Donc, effectivement, voilà une illustration schématique. Et donc, c'est de dire que les petites boules de couleur que vous voyez là, ça représente les 20 mindsets, les 20 attitudes qui sont utiles pour avoir une entreprise qui est à la fois bien structurée, qui est forte et performante. Et donc, il y a vraiment une modélisation de ce qui a été fait par des gens comme Richard Branson, Jeff Bezos, Anita Roddick, Steve Jobs, Mohamed Younous. Donc, différents secteurs d'activité, certains extrêmement orientés sur la profitabilité, d'autres un peu plus éthiques, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et justement, c'est vraiment l'idée de voir comment on peut combiner tous les aspects importants pour réussir un succès entrepreneurial. La première chose, ça va être vraiment d'avoir une vue d'ensemble qui est complète, où on va tenir compte de tous les acteurs, à la fois des clients, à la fois les membres de l'équipe, à la fois les partenaires ou les alliances que vous pouvez créer, les investisseurs éventuellement, et aussi les parties prenantes. Donc ça, c'est les personnes les plus importantes de votre vie, mais qui ne sont pas nécessairement partie de l'entreprise, donc c'est souvent la famille. Et le tout en gardant vraiment à l'esprit que vous êtes au centre du modèle, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes la personne la plus importante de l'entreprise. Comme je le disais, au niveau des mindsets, on a Robert Diltz notamment, qui est un stratège de la programmation neurolinguistique et de la modélisation des entreprises, a mis en évidence 3 niveaux de mindset. Le premier, c'est ce qu'on appelle le méta. Ça va vraiment être de clarifier la vue d'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez obtenir au niveau de votre entreprise? Quelle est votre vision, votre mission, votre ambition, votre passion et le rôle que vous allez jouer? Et puis, quels sont le rôle aussi de chacun des personnes qui va intervenir dans ce projet? Deuxième niveau, macro-mindset, ça c'est plutôt les habitudes. Parce que vous pouvez avoir une vision qui va être très claire, mais comment allez-vous la mettre en action? Comment allez-vous la concrétiser? Et ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire et de ce que vont faire les membres de votre entreprise au jour le jour. Et puis le troisième niveau, le micro-mindset. Ça va vraiment être en lien avec les compétences, parce que si vous faites, par exemple, du marketing, la question, c'est de dire, mais est-ce que vous le faites bien ou est-ce que vos équipes le font bien? Et là, au niveau des compétences, on va aller regarder 3 aspects qui sont interconnectés, qui se complètent l'un l'autre, c'est de dire, mais est-ce que vous aimez faire l'activité? Est-ce que vous la faites bien? Et est-ce que vous passez du temps à la réaliser? Si vous répondez oui aux 3 questions et si en plus ce que vous faites est aligné à votre passion, votre vision, votre mission, votre rôle, alors vous êtes dans votre zone de génie. Si un des niveaux, ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas répondre oui, alors c'est qu'il y a de la marge de progression à ce niveau-là, soit pour vous, soit pour vos équipes. Donc, ici, vraiment, le processus de transformation de votre vie et de votre business, pour moi, il tient en 5 étapes. La première, ça va être d'évaluer où vous en êtes, justement, par des personnes qui ont réussi. Deux, c'est d'apprendre quelles vont être les différences, quel est le modèle, quels sont les modèles que vous pouvez utiliser, les principes, les stratégies, les outils. De faire les ajustements entre votre situation actuelle et ce que vous devriez faire. Et puis d'avoir aussi une notion d'entraînement, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Et c'est de voir comment vous allez pouvoir développer justement vos compétences. On verra dans le mastermind qu'il y a une façon spécifique d'obtenir des résultats en s'entraînant et qu'il y en a d'autres qui finalement ne vont juste que vous faire perdre du temps. Donc ici, non, ce qu'on veut, c'est être efficace. Et puis le niveau 5, c'est le niveau de maîtrise. C'est ce qui va vous permettre vraiment de vous différencier de vos compétiteurs. Et cela en seulement 6 semaines de mastermind. Alors, l'aperçu du programme, donc durée de 6 semaines, on commence par un inventaire mindset map. Donc, ça, c'est un entretien qu'on aura à deux en privé, où on va vraiment pouvoir réaliser votre cartographie. Vous recevrez le rapport après. Si dans votre entreprise, vous êtes plusieurs à décider, ça va être intéressant de faire chacun un inventaire et à ce moment-là, vous recevrez aussi un inventaire combiné. Il y aura une séance individuelle en ligne par semaine, c'est un programme en ligne. Et une séance de groupe en ligne aussi par semaine, parce que l'idée, c'est dans ce mastermind, c'est aussi de mettre en commun les connaissances, les compétences, peut-être le réseau de différents entrepreneurs pour pouvoir finalement démultiplier les résultats qu'on obtient. Donc, c'est faire appel vraiment à l'intelligence collective. Et pour cette première version de mastermind en 2023, je la propose à 599 euros, tout compris. Donc, vraiment, c'est un prix de lancement par rapport à la qualité et le contenu du programme. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner? J'ai déjà parlé un peu, mais c'est vraiment l'idée que c'est l'objectif, c'est que vous ayez moins de stress, moins de fatigue, moins de frustration, et tout ça en seulement 6 semaines. D'avoir plus de clarté, de structure, d'équilibre, d'énergie, d'engagement en seulement 6 semaines. Et pour obtenir bah, d'avoir de meilleurs principes, de meilleures stratégies, de meilleurs outils, un meilleur leadership, plus de confiance en vous et de meilleurs résultats en seulement 6 semaines. Et donc peut-être vous poser la question de dire mais pourquoi me faire confiance? Et donc bah, simplement, moi j'ai une formation scientifique, donc je suis licencié en biochimie, puis j'ai fait un doctorat en sciences du vivant, ce qui m'a donné vraiment une méthodologie de travail, une façon d'analyser les choses, d'aller chercher justement les différences qui font la différence. J'ai plus de 20 années d'expérience réelle en recherche et développement dans différents secteurs, université, biotech, grosses multinationales et hôpital. Dans la multinationale, j'ai également fait de la gestion de sous-traitance stratégique, ce qui m'a permis d'interagir à la fois avec des vice-présidents et aussi des techniciens. Donc moi, voilà, je ne fais aucune différence entre les différents niveaux de l'organisation. Chacun a un rôle à jouer et je suis capable d'interagir avec tout le monde. La sous-traitance m'a permis aussi d'intégrer vraiment les dimensions importantes d'une entreprise et j'ai voulu aller plus loin justement par rapport à ce que j'avais connu en utilisant le modèle Success Mindset Map. Donc j'ai l'avantage en fait d'avoir été chercher de la théorie après avoir une expérience de terrain, ce qui est la façon la plus efficace finalement d'intégrer les deux. J'ai de multiples certifications en coaching, dont Success Mindset Map. On rend compte qu'il y a un petit typo sur le multiple, donc j'ai oublié le S, vous ne m'en voudrez pas. Maître praticien en PNL, là il y a un C en trop, désolé pour la typo. Et je suis aussi quatrième dan de karaté, parce que j'ai remarqué que c'était important en termes d'équilibre personnel et même en termes d'efficacité professionnelle, de savoir intégrer justement le corps et l'esprit, l'inconscient et le conscient, pour être beaucoup plus efficace et que en général quand il y avait quelque chose qui coinçait c'était à ces niveaux-là donc ça me permet vraiment d'amener une richesse supplémentaire par rapport à ça. En termes de témoignages donc j'ai ici Christophe qui est l'associé fondateur d'un cabinet juridique avec qui j'ai eu le plaisir de travailler il y a quelques semaines qui nous dit excellent suivi rapide efficace et attentif aux besoins du client donc pour lequel j'ai utilisé le modèle dont je vous parle ici. J'ai Julie qui est coach agile et consultante qui nous dit accompagnement en toute bienveillance et totalement personnalisé. Laurent nous fait passer à un niveau supérieur de conscience et d'efficacité. Et enfin, le témoignage de Laurence, consultante RH. Le programme de coaching proposé par Laurent a été une expérience particulièrement riche, une approche complète qui combine différents modes perspectifs, réflexifs et intuitifs. Au-delà des outils qu'il utilise et de son expertise en PNL, Laurent est un coach d'une grande acuité et généreux dans le partage d'anecdotes et de trucs très utiles, mais toujours centré sur son client. Je recommande vivement ce programme à toute personne désireuse d'avancer dans sa vision et ses objectifs personnels et ou professionnels. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de passer à l'action ici encore en 2023 et vraiment de booster votre vie et votre business, je vous encourage à me contacter via le lien qui est
dans la description pour avoir un rendez-vous gratuit d'une trentaine de minutes durant lequel on peut échanger et on va voir si ce programme est vraiment fait pour vous. Mais je suis convaincu en tout cas qu'il va pouvoir vous aider et on va travailler notamment sur l'énergie, le mindset et la performance. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas non plus à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère.